Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée ? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non ? Et vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Viens, allez, viens, baisse un peu la lumière. Et vous ? Moi, je vous dois tout. Vous me devez tout ? Tout. Mademoiselle ! Il y avait de la pluie, je crois. Discours, il n'y avait pas de pluie le premier soir, s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment. Elle revient quand ? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Margot, t'as couché avec lui, en fait. Je peux plus, je sais, je peux plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde ! Putain, je parle comme une chanson.